Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo car aujourd'hui, comme le nom de la vidéo l'indique, je vais vous montrer mes créations Rainbow Loom. Donc voilà, c'est parti. Alors tout d'abord j'ai cette petite chouette, voilà. Alors tout ce que j'ai fait, c'est fait main, sans machine. Je l'ai fait que avec des fourchettes collées ensemble. Alors j'ai réalisé ces créations grâce aux vidéos de Tagada Nile. Et donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez taper tout simplement par exemple comment faire une chouette en élastique sans machine et vous allez trouver. Voilà. Donc ce sont mes créations. Ensuite la deuxième, c'est un poussin. Comme ça, donc ça c'est à l'envers, ça c'est à l'endroit, un petit poussin. Alors Tagada Nile, elle a fait des vidéos du poussin, mais elle a mis des pattes, moi j'en ai pas mis, je trouvais qu'il était bien comme ça, et puis je lui ai fait l'œil bleu, voilà. Ensuite j'ai fait un petit cœur, lui il est un peu mal fait je trouve, mais bon, voilà, un petit cœur. Ensuite j'ai fait une étoile comme ça et une deuxième étoile comme ça. Et en dernier j'ai fait un collier comme ça que j'avais déjà montré je crois dans une de mes précédentes vidéos, mais bon on l'avait pas très bien vu, donc voilà. Mais celui-là je l'ai fait il y a longtemps, il y a un an je crois, alors que toutes les autres, la chouette je l'ai fait il y a quelques semaines, et toutes les étoiles, le cœur et le poussin je les ai fait aujourd'hui, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre création préférée. D'ailleurs j'ai mis des petits numéros, donc dites moi en commentaire quel numéro vous avez aimé. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde, bisous.